manger, Maïs. Le golf du Bengale. Pondichéry. Pondichéry, voilà. Et son golf. Oui. Et ce fameux port de Pondichéry, par de marchandises. Après la statue de Gandhi. Oui. Et Duplex est d'ailleurs parti de là aussi, vers la France. L'ancien gouverneur de Pondichéry. L'ancien gouverneur de Pondichéry, ouais. Quand il est tombé dans la disgrâce. D'accord. Ils sont marrants tous ces petits écoliers là. C'est, pour le coup là c'est pas la présence française, c'est la présence anglaise. Hein. Les uniformes. Le reste, oui, ouais. Les anglais. Alors Jérôme, qu'est-ce que tu as prévu de faire lors de ton séjour? Alors pour mon séjour, ben déjà je vais m'intéresser à l'Inde du Sud, tu vois, oui. La côte Est, oui. Donc évidemment Pondichéry, oui. Hein, 300 oui. ans de présence française ici en Inde, j'ai envie de savoir ce qu'il en reste. Et puis ensuite je vais remonter la côte pour aller jusqu'à Mahabalipuram, oui. Et puis je vais finir mon parcours par Chennai, d'accord. Avec une journée spéciale, ma dernière journée, oui. Sur la plage de Marina Beach. Bien Jérôme, moi je vais te faire visiter ma ville Pondichéry. Avec grand plaisir. Bien. Toi, tu es enseignante, c'est ça? J'ai été enseignante, oui. Tu es à la retraite? Oui, je suis à la retraite. Déjà? Oui, oh. J'ai bien travaillé. Et donc, tu as enseigné quoi, alors? J'ai enseigné le français à l'université indienne. D'accord. Puis après, j'ai démissionné pour rentrer au lycée français. Et donc, tu as toujours vécu à Pondichéry, finalement? Toujours, toujours. Je suis pondichérien. Rue Suffren. Oui, Rue Suffren. Ça sonne ça, c'est bien comme une rue parisienne. Oui, la ville blanche où habitaient les Français. Ils sont venus pour faire le commerce entre les soies, le coton, le fameux madras. Les épices. Les épices. Oui, bien sûr. C'était des gens qui avaient de gros. On sent, oui, on sent que c'est des, ouais. Des habitations de gens qui avaient de l'argent à l'époque, quoi. Tout à fait. Donc là, on change d'atmosphère complètement. Oui. Hein. On est dans la ville tamoule maintenant. Tamoule, c'est indienne, c'est ça. C'est indienne, oui. Les tamouls, c'est le Ce peuple. Ce sont les habitants du sud de l'Inde. Peuple qu'elle a depuis des millénaires. Des millénaires, une civilisation très très ancienne. Il y avait à l'époque la ségrégation spatiale, c'est-à-dire chaque caste habitait une rue. Tu avais la caste des prêtres, oui. Tu avais la caste des guerriers, d'accord. Ensuite la caste des ouvriers, la guilde des métiers, oui. Et puis les intouchables. Alors tu vois, tu as toujours ces espèces d'entrées, des escaliers, théoriquement dans le nombre impair. Et pourquoi ça, parce que, tu vois, ils te disent. Porte chance, porte pas chance, porte chance, porte pas chance, porte chance. Il faut qu'il y ait un nombre impair. C'est quoi ces dessins-là? Il y en a plusieurs sur la rue, là, par alors, terre, vois, au sol, dessinés à la craie. Là. Ce qu'on appelle. Non, c'est pas de la craie. C'est pas de la craie? C'est de la poudre de riz. Ça s'appelle kolam. Oui. Et on le fait devant une maison, toujours. Parce y a que c'est un signe. Oui, c'est une symbolique, oui. De bonheur, de chance. Oui, Ishwaranga. D'accord, d'accord. Ce dessin, c'est pour Shiva. Shiva. Alors là, déjà, oui. C'est un peu plus, plus, un animé, peu plus vivant. Hein. Oui, on a là. Il y a beaucoup d'habitants ici en beaucoup Inde. D'habitants, il y a 1,3 million. C'est un pays surpeuplé. Hein. 1,3 million d'habitants ici. Exact, exact. Et à Pondichéry, combien il y a? 1 million. 1 million déjà. Voilà. Donc c'est une petite ville petite pour l'Inde. Ville, mais elle est devenue tentaculaire. Ouais. Là, ça se construit de plus en plus. Et puis il y a aussi un niveau de vie très bas ici, quand très même bas, en Inde. Hein. Très bas. Il y a un tiers de la population qui vit avec moins d'$1 par jour. Tu me parlais tout à l'heure des castes. Oui. Et des intouchables, qui est une partie de la population qui est un petit peu mise au rebut quand même. On peut c'est dire vrai, comme un peu ça, marginalisée. Hein. Ils font les tâches d'éboueurs, de d'accord. Balayeurs de rue. Et il fut un temps, les gens les appelaient espèces de sales intouchables, chiens intouchables. Et aujourd'hui, si tu traites quelqu'un d'intouchable, enfin par le nom paria, il t'arrête tout de suite. Quelqu'un porte plainte disant, voilà, il m'a traité de ce mot, je ne l'emploie pas parce qu'autour, ouais. J'ai un peu peur. Ils peuvent t'arrêter, tu peux avoir 15 ans de prison, ouais. Plus une amende. Et le mot paria, c'est un mot de langue indienne, d'origine indienne? D'origine indienne, qui est passé même dans le vocabulaire français. Donc ça veut dire aussi que ce mot et son sens sont tellement forts qu'ils ont tellement traversé voilà. Les frontières et les langues, quoi. Exact. D'accord. Pourquoi ne pas supprimer les castes directement? C'est, On ne peut pas, on ne peut pas. C'est tellement ancré dans société, les esprits, ouais. Dans la société, que tu ne peux pas supprimer. C'est facile pour un Européen, tu vois. Mmh. Je comprends tout à fait ta question. Bah oui, mais c'est un peu naïf, je sais. Non, non. Lisa, t'entends? Oui. T'entends la musique, oui, la fanfare. La fanfare? Oui.
parce qu'ils préparent une fête nationale pour la fin du mois. Tu veux qu'on aille faire un tour? Ouais, ouais. C'est là-bas, on prend à gauche, là? À gauche. Oh, d'accord. Des écoliers pour la fête nationale. C'est assez amusant de voir une fanfare là. Voilà. Ça aussi, ce sont des restes de la présence française. Ouais. Française, oui. Pondichéry est l'un des 5 comptoirs commerciaux entretenus par la France en Inde pendant près de 3 siècles. En 1673, la Compagnie française des Indes en fait l'acquisition. Ce lopin de terre devient le symbole de la prospérité du commerce français en territoire indien et sur la route de la Chine et de l'Extrême-Orient. Plusieurs fois au cours de cette période, la ville tombe aux mains des Anglais qui convoitent sa position stratégique. Elle sera rétrocédée à l'Inde indépendante en 1954. Mais un parfum désuet flotte toujours dans les rues de la ville. Pondichéry doit être une fenêtre ouverte sur la France. Le souhait est historique. C'est celui évoqué par Nehru, le premier ministre de l'Union indienne lors de l'indépendance. Aujourd'hui, la ville continue d'entretenir un lien privilégié avec la France. Le trait d'union paraît tous les mois, et c'est le seul journal francophone en Inde. On a l'impression que la société franco-pondichérienne est complètement dispersée. Mais il y a un élément fédérateur qui les unit, c'est la langue française, la civilisation française et la culture française. Le trait d'union compte de nombreux abonnés en métropole, mais aussi sur place à Pondichéry. 7000 Français sont installés ici et la communauté s'organise autour de quelques repères incontournables. À la boulangerie, par exemple, ce sont les Indiens qui apprennent à faire des baguettes à la française. Un premier pli et un deuxième pli. Et après, on allonge. Baguettes croustillantes et autres pains de campagne, pain au chocolat et croissants chauds font ici le bonheur des fidèles clients de la boulangerie. Deux comme ceci. Deux cinnamon. Deux miel, deux café et deux cardamome. Voilà. Okay. On a l'impression d'être en France, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Enfin, ici, on trouve quand même pas mal de choses, mais c'est vrai qu'on a besoin de la boulangerie. Le français aime bien le pain. Le savoir-faire de la France n'est pas seulement représenté par sa baguette ou ses pâtisseries. Le lycée français de Pondichéry accueille chaque année près de 1000 élèves. Et l'obtention du bac est ici un gage d'excellence. C'est un lycée qui a effectivement... dans les séries générales, 100% depuis plusieurs années, dans les séries S notamment depuis une vingtaine d'années. Le bac et la réussite au lycée français, ça va se traduire par l'opportunité d'études supérieures en France et d'un retour ensuite avec une formation française et un moyen de négocier des salaires dans le sud de l'Inde qui leur permettront de vivre correctement. L'influence de la France est encore présente à tous les coins de rue. Pas un square, par exemple, sans son terrain de boules. Ici, la pétanque est sacrée. Les anciens militaires, quand ils sont arrivés en 1900 à peu près, c'est eux qui ont commencé les boules ici. Ils ont amené de France pour jouer ici. Ils ont appris avec eux petit à petit. Et bien, nous, on joue ici. Maintenant, presque dans les quarantaines de clubs ici à Pondichéry. C'est comme à Marseille, mais sans parler marseillais. Vous êtes l'évangile pour vos frères. Si vous...
L'endroit le plus surprenant de l'héritage français à Pondichéry est sans doute l'église Notre-Dame des Anges. Depuis plus de 300 ans, on y dit la messe en français. Moi, je suis le premier prêtre indien pour prendre la relève, pour continuer la messe en français. Il y avait là une femme qui était prophète. Tu m'emmènes où maintenant alors ? Bien Jérôme, avant d'aller dans la ville indienne, ouais. Je vais t'amener dans un endroit et tu vas tout savoir sur ton avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me prépares ? Ah, c'est super, c'est la perruche. Ah, c'est le tir au hasard. Elle a cherché mon avenir très très loin dans le paquet. C'est vrai, c'est vrai. Ganesh. Une seule femme. Tu devrais devenir star de cinéma. Plutôt sur Bollywood. Bollywood. America pour nous. Ah, aux États-Unis. Hollywood. C'est quelque chose de sérieux, tu penses, toi? Folklore, folklore. Vous avez passé le temps, rigoler un peu. Ah mince, moi j'y croyais. Tu croyais? On remarque qu'il y avait certaines choses sont vraies. Bon, merci beaucoup. Nandri, tu es en tamoul. Nandri. Bon, tu veux le faire ou pas? Non. Je suis blindé, voilà. Là, il y a une vache, la fameuse vache sacrée hindoue. Oui. D'ailleurs, pourquoi elle est sacrée? Explique-moi. Alors, la vache est sacrée en Inde parce que, tu vois, elle est considérée comme une déesse. Go Mata. On l'appelle Go, la vache. Mada, la mère. La mère nourricière, parce qu'on se sert du lait. Donc les hindous sont devenus petit à petit végétariens. Donc toi, tu es végétarienne? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. Tu heurtes la vie quand même, hein. Tu tues un animal, donc il vaut mieux rester végétarien. Voilà. On va au marché, on va acheter plutôt des légumes, je pense. D'accord, hein, bien, tout à fait. Allez. Donc, Jérôme, on passe par le marché de poisson, mais rapidement, hein, on va aller chercher les légumes plutôt. On ne mange pas de vache, mais on mange du poisson. Du poisson, oui, parce que tu vois, dans le nord de l'Inde, les Brahmes aussi mangent du poisson, ils disent que c'est le fruit du Gange. L'animation. Hein. Ah, ça sent fort. Ben, ça, on sait qu'on est dans un marché de poisson. Même les yeux fermés, je pense. Hein. Voilà. Te renvoie un sourire magnifique. Oui, tout à fait. Pleinement. Ils sont pas fâchés, ils sont très contents. Bonjour. C'est génial. Hein. Oui. C'est quoi ça? Ah, ça, c'est des feuilles de bétel. Le bétail qui chic, tu vois. C'est indigestif aussi quand tu le prends à la fin d'un repas. Tu prends le sucre et puis après tu craches. Ça, c'est des épinards ou des épinards, ça, c'est les feuilles de fenugrec. C'est médicinal aussi. Donc, tu vois, c'est le but de la nourriture végétarienne, c'est aussi de nourrir, de se nourrir et la santé, et de guérir, la santé. Soigner. Guérir, soigner, oui. Prévenir aussi. Non, il l'a pour rien. Apoyez-vous, hein. Thank you.
très très beau. Regarde comment je travaille, vite, vite. Des vrais artistes, hein. Oui. Qu'est-ce que vous faites, monsieur, là ? Je prépare une guirlande qui va orner la tresse d'une jeune mariée. Et ça coûte combien, ça, ici ? 500 roupies. C'est énorme, c'est énorme. Mais comme c'est une fois dans la vie, tu vois, ils font le maximum, la fille. Il faut bien la marier, parce que sinon, la belle famille va mal la recevoir. C'est un événement fort dans la vie, très fort, très fort, dans la vie d'un Indien, très fort. Tu as vu la quantité de fleurs qu'il a ? Elles sont fraîches, c'est pour les guirlandes à offrir dans le temple. Et d'ailleurs, tiens, l'hindouisme, oui, c'est pas qu'une religion, c'est un style de vie. C'est une philosophie de vie. Parce que, tu vois, eux, les hindous croient au karma, au poids de tes actes. Le bien que tu fais, le mal que tu fais, même dans ta parole, dans ta pensée. Si tu as tel problème, c'est que dans tes vies antérieures, tu as commis des péchés. Et toi, tu as adopté le style de vie hindouiste ? Oui, ouais. Je crois en cette philosophie. Et ça aide énormément à vivre. Tu vois. Des choses. Oui. Mahaganapate nama varasiddhi vikrinsana swami nama varaprasadena sarva vishnu siddhirastu. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est une puja. C'est-à-dire une offrande, c'est la cendre sacrée. La cendre sacrée. Yatya brahmana haidya vrati svetavra kalpe. Vaivatsudamanvantara astavintadame kalige prathamapade gambaddeve varlavashe varlakande mero dakshibade sakate asmin vartamane vagarike subhanakshatra subhayoga subhakarana. Les gens amènent des offrandes, genre fruits, des choses comme ça, légumes, et ils cuisinent ici. Oui, ils cuisinent, mais les gens n'apportent rien, ils remettent l'argent. Et puis c'est eux qui achètent les ingrédients. Non, les pauvres, ils nourrissent tous les jours. La charité, c'est ça ? La charité. Par exemple, tu as fait un vœu, ça se réalise, donc ils offrent à manger pour 100, 150 personnes. Parce qu'ils pensent qu'il faut partager, tu vois, c'est un partage. Faut que je le fasse, moi ? Oui, vas-y, sors. C'est ça, la cloche, c'est pour attirer l'attention du dieu. Ne m'oublie pas. La spiritualité et le sens du sacré sont deux piliers essentiels de la société indienne. Leur influence se retrouve notamment dans certaines pratiques artistiques, comme la danse du Bharatanatyam. Danseur, mais également chorégraphe, Raghunath Manet est l'un des rares hommes à l'interpréter. De très très important. Le danseur va pleurer, va rire, va exprimer des choses à travers ses expressions de visage, avec l'utilisation des langages, des gestes des mains. Nous allons pouvoir parler comme un langage. Les épaules travaillent, les yeux travaillent, le cou travaille. Mais à la fin, ça donne une élégance et qui reproduisent les très belles sculptures des temples de telle manière à vraiment faire vivre une esthétique indienne sur scène. La relation d'amour, nous, chez nous, c'est une femme qui est amoureuse. On va décrire les baisers, l'attente de son amoureux et la souffrance. Vous voyez, donc, tout ça, ça devient très narratif. D'une
Vous êtes insensible. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Tanak, jun, ta, ta. Vous voyez, là, nous rentrons dans le langage commun de l'humanité. Et ça, c'est marqué. Din, tanak, jun, ta, ta, ta. Le corps marque le rythme, le corps marque la danse. Et c'est ça qui m'intéresse. 3, 4. Aujourd'hui, Raghunath partage son temps entre la France, l'Inde et les tournées internationales. Mais lorsqu'il enseigne cette pratique exigeante, il revient dans sa ville natale, à Pondichéry, dans sa propre école de danse. On respecte le corps, c'est-à-dire tous ces mouvements sont là pour élever le corps vers quelque chose, vers la célébration du corps, dans le fait d'amener les énergies de la tête aux pieds, au bout des doigts. On va canaliser les énergies pour pouvoir sortir les énergies. Donc on peut appeler ça l'art un petit peu, bien que ça fasse peur à tout le monde, ou peut-être à certains, l'art sacré. En virtuose, Raghunath est aussi un joueur remarquable de vina, l'un des instruments les plus vénérés du sud de l'Inde. À travers sa musique et sa danse, il est devenu l'un des meilleurs ambassadeurs de la culture indienne. La noix de coco, s'il te plaît. C'est juste... Ouais, c'est ce que j'ai fait, là. Il te faut la coriandre aussi? Oui, s'il te plaît. J'ai hâte de goûter ça, en tout cas, parce que d'accord. Ça sent super bon, là. Oui. Alors, c'est une salade de carottes. Oui. Bien sûr, basée sur l'Ayurveda. Donc, Ayur, c'est la vie, mm-hmm. et Veda, la science. Et c'est très ancien. Très ancien, très oui. ancien. Ce n'est pas seulement un traitement médical. C'est pas qu'une médecine. Non, ce n'est pas qu'une médecine, c'est aussi dans l'alimentation. Oui. Les épices ont des valeurs médicinales. C'est une chimie très fine et ce sont des médicaments. Tu tombes moins malade, beaucoup moins malade, quand tu fais attention à ce que tu manges. Oui. Voilà. Tu vois, du soja vert, du jus de citron, pas mal. T'en fous des ingrédients, dis donc, dans ta salade, là, ça a l'air d'être... Ah, ne t'inquiète pas, j'ai un super bouquin, tu sais. Ah oui, c'est vraiment quoi bien. Tu peux regarder? Oui. C'est quoi? T'es avec des recettes indiennes? Oui, tout à fait, de cuisine indienne. Je comprends pourquoi tu dis qu'il est super. C'est toi qui as fait ça? C'est moi qui ai fait ce bouquin. Ah, c'est marrant. D'une, je voulais partager ces recettes avec les autres pondichériens. Oui. Parce que tu sais, quand tu t'expatries, tu as tendance à oublier aussi. Mm-hmm. Et puis je me suis dit, pourquoi pas donner l'argent à une œuvre. Partager plus donner. D'accord. Ça ne m'étonne pas de toi. Des carottes. Allez, c'est très beau ça. Bien. Des feuilles de banane. Bananier, oui. Je vais te servir un repas traditionnel. Végétarien. J'ai plus un repas. C'est... Viens, tu commences par la fameuse salade. Ça, c'est... Concombre? Non, c'est une salade de mangue verte avec du coco. Ensuite, les poivrons. Mm-hmm. Et ça, c'est sauté dans de la farine de pois chiche. Voilà, c'est assez léger. Hein? Mm-hmm. Alors, bon appétit, Jérôme. Eh bien, bon appétit à toi. Et puis, tu vas me dire si tu aimes... Très bien la coriandre et le citron. Mmh. Très frais. Merci. Oui, je t'en prie. C'est pas trop piquant pour toi? C'est bien. C'est bien. Tu arrives à manger. Alors, est-ce que les hommes cuisinent? Parce que moi, je cuisine. J'adore ça, tu vois. Mmh. Est-ce qu'ici, les hommes cuisinent ou c'est vraiment les femmes qui cuisinent? Dans la tradition indienne, l'homme ne fait rien, pratiquement. Quelle est la condition, d'ailleurs, de la femme ici en Inde? Pas très heureuse, hein? Pas très heureuse. Bien qu'on leur permet de faire des études. Quand on les marie, il y a toujours la dot qui revient, quelles que soient les études qu'elles aient faites. Donc, ils réclament des voitures, des maisons. Il n'y a pas d'amour, hein, tellement. Ce sont des mariages arrangés, mm-hmm. dans la caste. L'épouse épouse aussi la belle famille. Donc, tu rentres dans la famille et tu dois subir, si tu veux dire, la présence des beaux-parents, des belles-sœurs. Tu vis avec eux. Donc, c'est ce qu'ils appellent « joint family ». Et ça, c'est
la culture indienne. C'est dans la culture, c'est dans la culture. Ça n'a rien à voir avec l'hindouisme. Non, ça n'a rien à voir. C'est dans la tradition indienne, oui. D'accord. Donc tu vis avec la famille. Ah, bon. À propos de l'hindouisme, qu'est-ce qu'il nous reste comme fruits pour notre éléphant là? Ah, j'ai beaucoup de fruits. T'as des choses? T'inquiète pas, je t'inquiète pas. On va lui faire les belles offrandes, oui, attention. Ton éléphant Lakshmi, t'inquiète pas. Bien. Alors tu vois Jérôme, on arrive devant le temple de Ganesh. Ouais. D'ailleurs tu vois la statue là. L'éléphant. L'éléphant et puis au fond tu vois la Lakshmi. Tu vas te faire bénir par Lakshmi parce que c'est Ganesh, tu vois. D'accord. Et c'est le dieu qui enlève tous les obstacles comme tu vas continuer ton voyage en Inde. Et elle va te protéger. C'est un peu le Saint Christophe. Si tu veux, tout à fait. Indien. Tout à fait, voilà. Dis-moi comment ça se passe. D'abord, tu lui donnes. Viens, donne-lui. Voilà. Et puis, tu peux lui donner aussi. Merci. On est bénis. Ah, bénis, tiens. Tu donne-lui toi-même. Tiens. Tu vois? Les en bon usage. Voilà, hop, voilà. Là. C'est incroyable ce qu'elle vient de s'avaler dans une journée, cette pauvrette. Mais c'est de l'herbe, c'est pas grave. Tu vois? Ouais. C'est nourriture pour elle. Tiens, lui remets-lui la pièce. Ah. Allez, directement dans la trompe? Oui. Tiens, remets-lui aussi. C'est incroyable. Ah ouais? Le pauvre bébé, il a peur. Ok, donc je suis béni. Bien. La route est tracée. Tracée. Je te remercie. Merci, je t'en prie. J'ai passé un très bon moment, puis bien. Tu m'as permis de vraiment bien comprendre. Bien. Voilà. Alors, beaucoup de bonnes choses pour toi. Ton pays. Et puis en plus, tu as la bénédiction du dieu Ganesh. Ouais. Donc tout se passera très bien pour toi. Bon, plein de bonnes choses à toi. Merci encore. Merci, Jérôme. L'Inde et la spiritualité qu'elle véhicule inspirent de nombreuses expériences communautaires. L'une d'entre elles est en cours à quelques kilomètres seulement de Pondichéry. Difficile d'imaginer qu'ici, il y a 40 ans, il n'y avait qu'un vaste terrain, vierge de toute végétation. 3 millions d'arbres plantés plus tard, Auroville ressemble aujourd'hui à un immense campus installé au milieu d'une forêt luxuriante. Fondée à l'origine pour servir d'exemple à l'humanité en matière de paix et d'harmonie, cette cité est devenue un immense laboratoire. On y expérimente chaque jour une nouvelle forme de vie en société. Marc et Anne sont devenus Auroviliens il y a 3 ans. On avait une vie qui était plutôt agréable à Paris, mais bon, besoin de vivre autre chose, non? Ouais, ouais. Enfin, Aurovilien, c'est vivre quelque chose ensemble et le sentir vraiment de l'intérieur. Et ça, c'est vrai que tu le ressens ici. Qu'on soit musulman, jaïn, hindou, catholique, protestant ou juif, on est tous... recentré autour de la même démarche et de la même aspiration. Auroville, en France, on mettrait tout de suite un tampon secte dessus, ça me paraît presque évident. Tandis qu'ici, en Inde, c'est évident pour tout le monde qu'à un moment, on doit se poser et réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait là? Qui on est? Pourquoi? C'est peut-être aussi le propre de l'homme de se poser des questions en permanence. 2000 Auroviliens font aujourd'hui de cette expérience un projet concret. Ce modèle de vie communautaire est même reconnu par l'UNESCO. La ville dispose d'écoles, d'industries et de fermes agricoles tournées vers les cultures bio. Ici, chacun contribue à la vie de la cité en espèces ou par son travail. Auroville Peppers est un parfait exemple des activités économiques gérées par les Auroviliens. Cette entreprise alimente les caisses de la communauté. Comme les autres entreprises, cette entreprise, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Auroville. Et en même temps, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, l'expérience que j'ai en étant à Auroville, on est venu de toute façon pour ça, pour cette aventure, que rien ne nous appartient. En même temps, j'ai l'impression que tout m'appartient. Je ne sais pas comment exprimer. Rien ne m'appartient, mais tout m'appartient. Les
les Auroviliens aspirent à devenir un modèle pour les générations futures. Ils ont réussi à développer un véritable savoir-faire dans de nombreux domaines. Le centre de recherche scientifique s'est tourné très tôt vers l'écologie et le développement durable. Une trentaine d'éoliennes, un immense four solaire, un système révolutionnaire de traitement de l'eau. Les chercheurs d'Auroville sont aujourd'hui régulièrement consultés par certains gouvernements pour leurs innovations. On ne fait aucune publicité, on n'a aucune vocation commerciale directe comme ça. Les choses viennent parce que les gens sont intéressés et viennent nous chercher, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc on reste bien complètement dans la dynamique qui est propre à Auroville. C'est comment arriver à développer quelque chose où on amène des vraies réponses tout à fait concrètes. C'est pas du vent. qui puisse être utilisé ailleurs. C'est pas non plus quelque chose qui est clos, qui répond qu'aux besoins d'Auroville. C'est quelque chose qu'on puisse exporter. Donc on est vraiment dans cette dynamique à la fois de recherche, de trouver des solutions qui fonctionnent et de pouvoir les communiquer vers l'extérieur. Une cité idéale serait-elle en train de voir le jour ? En tout cas, ils sont nombreux à venir tenter l'expérience d'Auroville. Claire vient juste de faire la démarche pour devenir Aurovillienne. Pendant une année, elle devra partager la vie de la communauté avant de pouvoir l'intégrer. Cette année-là, elle te permet, même si c'est à mon avis un balbutiement, en fait, de voir si c'est vraiment là ta place, parce que tu peux avoir l'intime conviction, mais après tu dois l'expérimenter dans le concret. C'est une période d'observation, d'action, d'expérimentation. Et de prise de conscience de ce que c'est en fait de devenir Aurovillien, de vivre à Auroville, de vivre cette expérience en fait. Dans les bureaux d'Avenir, l'agence de programmation urbaine d'Auroville, on réfléchit au développement de la cité. Les premières ébauches prévoyaient une ville construite en forme de galaxie. 50 000 personnes devaient pouvoir s'y installer. Aujourd'hui, l'extension de la cité fait débat. La communauté doit d'abord réussir à accueillir tous les nouveaux arrivants. Il y a vraiment un manque de maisons en ce moment et on est en train de parler avec le groupe qui accueille les gens et le housing group qui s'occupe de construire des maisons, réparer les anciennes maisons. Et on a décidé qu'il faut vraiment qu'on fasse 350 abris pour cette année. Certains te diraient, mais pourquoi vous n'avez pas concentré sur les maisons et tout ça? Ben, il fallait se concentrer d'abord sur la terre, planter beaucoup d'arbres, où maintenant on a une forêt qu'on n'avait pas avant. Donc on est à une essence d'une cité. 40 ans, c'est pas long. Il n'y a rien qui urge, on a le temps. Si c'est pas nous, ce sera les enfants. Et comme une ville, en fait, une ville comme une fleur. La fleur, elle s'ouvre et puis elle prend le temps qu'elle a besoin pour s'ouvrir. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas le résultat qui nous intéresse. C'est toute la démarche pour y arriver à ce résultat qui est importante. OK, la ville, il y aura une ville, mais comment on y arrive? Est-ce qu'on se tape dessus ou est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on réussit à le faire de façon harmonieuse? Projet spirituel et humaniste. La raison d'être d'Auroville reste intacte. Essayez de montrer qu'un autre monde est possible. Ça va bien. J'étais sûr de te retrouver là, hein. Tu vois, à la porte du site. Oui, et ce sont des monuments très importants pour tout le monde en Inde. Ouais. C'est patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ça? Oui, l'UNESCO a protégé tous les monuments de ce site. C'est un site archéologique qui date de quelle période? 6e et 7e siècle après Jésus-Christ. Ce sont tous les monuments sculptés par les rois de Pallavas au 6e et 7e siècle. Je veux tout voir, t'inquiète pas, je vais tout regarder. C'est le fameux bas-relief, ça, non ? Oui, c'est le plus grand bas-relief du monde, qu'on appelle la pénitence d'Arjunaou, la descente du Gange. Très impressionnant, hein ? Oh là là ! Il fait 27 mètres de long et 9 mètres de haut.
153 statues en un seul bloc. Et ça, c'est un des symboles de l'art Pallava. Ouais, c'est ça. C'est la dynastie des Pallavas qui a créé le Mahabharata. D'accord, les textes fondateurs de la religion. Oui, le Mahabharata, la grande épopée. Et ça, c'est une page de Mahabharata. Oui, c'est une scène extraite de Mahabharata. C'est la représentation de la descente du Gange, du ciel vers la terre. Regarde ces énormes monuments. Oui, Ratha, ça signifie chariot. Et Raj, dis-moi, pourquoi avoir fait 5 temples au même endroit comme ça, si proche? Parce que c'était un énorme bloc de granit. C'est la raison de ces 5 chariots dans un endroit unique. Tu es en train de me dire que tous les temples sont faits à sol. De la même pierre, ils ont creusé entre, ouais, et ça veut dire que ça, sous le sable, dans les sables, c'est un seul bloc. Ça fait qu'un seul bloc. Un seul bloc. Ça, on a du mal à imaginer que, surtout avec les outils qu'ils avaient à l'époque, ils aient pu construire des choses pareilles. Normalement, quand on bâtit un temple, on commence par poser les fondations. Mais pour les temples monolithiques comme celui-ci, il s'agit de sculptures. Du haut vers le bas, au fur et à mesure. On dirait des sculptures de sable. C'est vraiment très beau. Ici, c'est le monument le plus important de cette ville, qui est inspiré de l'histoire de Krishna. Les habitants d'un village sont obligés de s'enfuir à cause de pluies diluviennes. Alors Krishna a protégé le village. Il a pris une montagne pour abriter le village. Là, c'est Krishna qui soulève la montagne. C'est une belle image, oui, c'est beau. C'est assez touchant la façon dont tu me racontes l'histoire là, de ces fresques, de ces sculptures. Ouais. Tu es toujours très ému, toi, devant? Oui, car ce ne sont pas seulement des pierres ou des sculptures, mais ce sont de véritables personnages qui font partie intégrante de nos vies. Si tu vas dans les villages, tu as de grandes chances de voir une femme comme celle-ci, avec un pot de terre contenant de la crème ou du yaourt. C'est la vraie vie, comme si les sculptures étaient vivantes. Là, ça représente qui, cette statue? Guruji. C'est une divinité? Divinity? Yeah. Ça doit être spécial pour vous de donner vie à des divinités que vous vénérez. Nous ne faisons que des statues. Ce n'est que dans le temple qu'elles deviennent des divinités. Ici, on ne fait que fabriquer leur enveloppe. Tu vois, ce temple est au bord de la mer. Aussi, on le nomme le temple de la plage. C'est un temple structuré, pas un temple monolithique. C'est beau. Oh là là. Toi, tu as eu un jour envie de sculpter? Tu as essayé? J'ai étudié la sculpture au collège. Mais un jour, alors que je sculptais, d'accord. Tu vois cet œil? Un fragment de pierre est rentré dedans. C'était quand même ton envie, gamin. Tu avais déjà envie de sculpter. Ici, c'est un petit peu inévitable, j'ai l'impression. Tout le monde a la passion de la sculpture. Les garçons, à partir de 10 ans, sont influencés par l'art. Car toute la région dans laquelle nous vivons est étroitement liée à l'art. Ce n'est pas comme à Chennai, où il n'y a que des grandes maisons, de grands hôtels. Nous sommes nés dans l'art. On est touchés par ça. Nous sommes nés dans la ville de l'art.
Nous allons vers l'art. Nos yeux sont véritablement remplis par ces sculptures. L'une des fêtes les plus importantes du sud de l'Inde est la célébration de Pongal. Chaque année, vers la mi-janvier, cette fête célèbre la moisson des récoltes. C'est l'occasion pour la population de remercier la nature, le soleil, la terre et le bétail. Les festivités vont durer 4 jours. Elles commencent toujours par la réalisation de kolam, des figures porte-bonheur. Les kolams sont une tradition tamoule. On les fait pour décorer la maison. C'est très important pour toutes les filles d'Inde du Sud. C'est quelque chose de naturel. On n'a pas besoin de l'apprendre. On a ça dans le sang. Les kolams, c'est notre fierté. Le deuxième jour est le plus important. C'est le Surya Pongal. Il est consacré au dieu du soleil. Dans les familles, on prépare le Pongal. C'est un plat traditionnel à base de riz au lait sucré que l'on laisse déborder hors du pot pour s'attirer la chance et la bienveillance des dieux. Pongal, c'est l'événement le plus important pour nous. On utilise le riz de la nouvelle récolte pour remercier les dieux de nous avoir donné la pluie et le soleil. Et grâce à ça, tout se passe bien. Et c'est pour ça que nous faisons le Pongal. On met du riz dans le pot et quand ça déborde, on dit plusieurs fois « Pongal, Pongal !» Et ça, c'est bon pour la maison et pour la famille. Une journée entière de la célébration est consacrée aux vaches et aux bœufs qui ont aidé à la récolte du riz. C'est le Matu Pongal. Toute l'année, les vaches travaillent dur pour nous. Donc aujourd'hui, pour les remercier, on prend soin d'elles. On les lave, on les décore, on va peindre leurs cornes, leur mettre des petites clochettes, les faire belles. Et après, on ira les promener dans les rues. Moi, je peins toujours les cornes aux couleurs de mon parti politique. Les couleurs noires et rouges. Et lorsqu'on la voit dans la rue, on sait de quelle partie elle est. Chacun va peindre les cornes en fonction de son parti préféré. L'expression de ses opinions transforme parfois les fêtes de Pongal en tribunes politiques. Elles sont l'occasion pour les différents partis d'une mini-campagne. C'est ainsi que l'on peut voir des vaches changer de couleur de corne d'une année sur l'autre. Les percussions viendront ensuite accompagner les vaches lors de la traditionnelle procession à travers tout le village. Juste avant le coucher du soleil, elles seront finalement conduites jusqu'au champ. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Gaudi ? Yes, hi. Jérôme. Welcome to Clock Fair. Merci beaucoup. Nous commençons par nettoyer les enclos. Tu peux participer si tu veux. Oui, bien sûr.
Il travaille sans protection. Il travaille juste au bâton, comme ça. C'est le gavial du Gange. On voit vraiment que c'est... Ça n'a pas bougé depuis la préhistoire, cet animal. On dirait une queue de dinosaure. C'est vraiment une espèce en voie de disparition, le gavial du Gange. S'il n'y a pas de protection, ils vont disparaître, oui. Parce que ce sont des animaux qui subissent de fortes pressions dans la nature. Nous maintenons donc une race pure dans notre centre pour constituer une sorte de réservoir génétique. La population humaine a beaucoup augmenté dans certains endroits, en laissant de moins en moins de place aux animaux. C'est pour cela que nous avons créé ce centre. C'est dans les années 70 que nous avons pris conscience que les trois races de crocodiles indiens étaient en grand danger. Le gavial, le crocodile des marais et le crocodile marin devaient être protégés. Toi, tu es vétérinaire, c'est ça ? Yes, I'm the veterinarian. Pourquoi tu as choisi de travailler avec les crocodiles ? Je ne sais pas. C'est juste un don de Dieu d'aimer travailler avec eux. J'aime chaque minute passée avec eux. Toi, tu as peur d'eux ? Absolument pas. Si je ne fais que mon travail sans jouer les intrépides, tout se passe très bien. Si tu veux essayer, tu peux aller à l'intérieur, mais pas longtemps. Reste avec lui, s'il te plaît, et écoute tout ce qu'il te dit. N'oublie pas que ça peut être dangereux. Oui, ok. Waouh. Oh là, c'est incroyable. Il y en a un qui me regarde bizarrement, là. Je vais faire 2-3 mètres en retrait. Je peux essayer, moi, avec le bâton ? Reste à bonne distance. How do I do? Tiens le bâton avec lui. Hey. How do I do? Hey. Hey. Fais attention. Hey. 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 Oula. Hey. Pas les doigts. Hey. Voilà. Good. Bon, je suis pas très bon. Hein. Merci. Excusez-moi, ce sont des serpents ? Oui ? Oh là là ! C'est le marché aux serpents ici. D'accord. C'est votre travail ? Vous chassez des serpents ? Oui, c'est mon métier d'attraper des serpents. C'est un métier très dangereux parce qu'il faut vraiment les chercher en forêt. Et le risque de se faire piquer est bien réel. Si ça arrive, il faut très vite aller à l'hôpital pour se faire soigner. Vous pouvez me montrer ce que vous avez attrapé, s'il vous plaît ? Oula. Là, oula. Celui-là est très venimeux. D'ailleurs, on le vend pour son venin. Combien ça vous rapporte d'amener ces serpents-là ? Par exemple, un cobra ? Un cobra, par exemple, c'est jusqu'à 2000 roupies, 30 euros. C'est quoi ? Cobra ? Des cobras, common cobra. Se gonfle, oui. Se dresse. Il faut faire très attention en l'attrapant. Vous voyez le verre ? On va recueillir son venin. Et à quoi sert le venin après ? Qu'est-ce que vous en faites ? On s'en sert pour fabriquer de l'antivenin, mais aussi des médicaments pour traiter le cancer. Rien, d'accord, hein ? Au revoir, merci. Bonjour. Vous allez à Madras ? Ouais. Vous pouvez me déposer à Chennai, à Madras ? C'est possible ? Thank you. Thank you.
La moto est le moyen de transport individuel le plus utilisé en Inde. La grande majorité des deux roues est de marque japonaise. Mais il existe une moto mythique, indissociable du pays, la Royal Enfield. C'est comme en Amérique où ils ont la Harley Davidson. En Inde, la moto culte, c'est la Bullet de chez Royal Enfield. C'est l'une des motos les plus puissantes que nous avons. Il y a la 350 et la 500 cm3. C'est une moto de macho. Piloter une Bullet Enfield, c'est ce qui fait la différence entre un homme et un garçon. L'homme conduit l'Enfield et les garçons conduisent les autres motos plus petites. Moi, j'adore ma Royal Enfield. Parcourir les routes indiennes au guidon d'une boulette a fait rêver plus d'un motard ou d'un routard. Il faut dire que cette moto est réputée pour ne jamais vous laisser tomber. Ici, on ne répare que des boulettes. Ces motos sont faciles à réparer et à conduire. C'est une moto qui démarrera toujours, même sous la pluie. Il suffit d'un seul coup de kick et c'est parti. Et même si la route est défoncée, tu peux rouler sans problème avec une boulette. C'est vraiment une moto cool, à toute épreuve. C'est vraiment ma préférée. Originaire du Royaume-Uni, mais fabriquée en Inde, à Chennai, depuis 1955, la Royal Enfield Bullet n'a quasiment pas changé de look ni de motorisation depuis plus de 60 ans. On nous demande souvent, avec toutes ces motos japonaises, comment faites-vous pour survivre ? Notre choix pour survivre, c'est de bien observer ce que font les fabriques de motos japonaises et de faire exactement l'inverse. Ils produisent en masse, nous fabriquons à la main. Ils veulent de la vitesse, nous choisissons la lenteur. Ils veulent un bruit fluide, nous voulons des... Et si les gens viennent du monde entier pour découvrir notre pays, l'une des choses les plus romantiques qu'ils peuvent faire, c'est de voyager en boulette. Une philosophie qui assure jusqu'à présent le succès de la marque. Nombreux sont encore les clients à aimer les finitions faites à la main. Aujourd'hui, si vous voulez une boulette classique en Inde, il faut attendre 9 mois. Ce n'est pas bon. Aussi, cette année, nous passons la production de 4500 à 7500 motos par mois. Et pour répondre à la demande globale en Inde, mais aussi dans le monde, nous sommes en train de construire une magnifique nouvelle usine Royal Enfield. Et nous invitons dès à présent tous nos amis français à venir bientôt découvrir le musée vivant de Royal Enfield. Vous connaissez ? Oui, c'est bon. Merci. Vas-y, on va montrer.
Enchanté, madame. C'est de la voiture, hein. Dis donc. C'est la folie ici, hein. Je croirais dans un jeu vidéo. Bonjour, Jérôme. Enchanté. Yeah. Ça va ? Très bien. Donc ça, c'est ton équipe et ils ont quel âge ? Ils ont moins de 16 ans. Les futurs champions. Yeah, definitely. Et pour eux, l'entraînement, c'est tous les jours ? Yeah. Oui, le matin, ils vont à l'entraînement. Ensuite, ils filent chez eux, se préparer pour l'école. Et après les cours, ils reviennent s'entraîner. Ce sont de vrais professionnels. C'est vraiment un objectif pour certains jeunes. C'est par le cricket qu'on peut avoir une ascension sociale. Absolument. C'est pour ça que tout le monde aime jouer au cricket ici. Le cricket, c'est comme une religion. Ce sont les Anglais qui ont mené ça ici. Oui, ça a commencé avant l'indépendance, vers 1923. Et l'Inde occupe quel niveau mondialement ? Numéro 1. C'est vrai ? Number one. Last 2 years. L'an dernier, on était numéro 1. Félicitations. Attention, doucement. Oh ! Je joue au tennis, là. Soyez indulgents, les gars, soyez indulgents. C'est pas très beau à regarder, hein. Ah, ça y est, je suis recruté ou pas, coach ? Yeah. Je voulais savoir pourquoi vous aviez choisi de jouer au cricket. Je veux réaliser quelque chose de grand pour mon pays. En Inde, tout le monde peut étudier. Mais jouer au cricket, c'est vraiment difficile. Il faut beaucoup s'entraîner et chacun doit réussir quelque chose dans sa vie. Pour moi, c'est le cricket. Le cricket, c'est un jeu de gentleman, comme tu le sais. On a tous des règles de conduite, un code vestimentaire. Ce n'est pas seulement un sport. On apprend plus que ça. Le respect, les bons comportements. Gagner et perdre, ça fait partie du jeu. Il ne peut y avoir qu'un gagnant. Le perdant doit apprendre de son échec. Ne pas abandonner, mais continuer à s'entraîner dur, pour toujours progresser. Je suis motivé pour jouer au plus haut niveau. J'espère que mes rêves se réaliseront. Je vous souhaite d'arriver au plus haut niveau et puis d'être à nouveau les futurs champions du monde indien. Et puis on va marquer une pause maintenant dans l'émission. C'est le moment de retrouver notre feuilleton. Et cette semaine, on retrouve le réalisateur Nicolas Millet qui nous emmène en Corne d'Afrique, la route de tous les trafics. Et dans ce dernier volet, il va traverser la frontière du Somaliland. Vous avez un petit cri de guerre pour l'encourager ? Sabse Gounia ! Voilà, très bien. Sur la place de Mescal, à Addis Abeba, j'ai assisté à l'entraînement des futurs champions qui préparent leur conquête des podiums internationaux. Dans les faubourgs de la ville, j'ai rencontré une femme qui fait preuve, elle aussi, d'une belle abnégation en recueillant des orphelins. Plus à l'est, j'ai été pris d'hallucination devant une forêt en marche dont les feuilles servent à faire décoller les esprits. Ensuite, je me suis plongé dans les entrailles de la ville sainte d'Arar. Généralement, je déteste me heurter à une frontière, ligne imaginaire dessinée par des technocrates qui veulent brider votre liberté de mouvement. Mais là, je ressens une certaine fierté à recevoir le tampon officiel du Somaliland. Les autorités m'ont prévu une escorte qui m'accompagnera pendant tout mon séjour. L'autre Somalie, celle des milices Chebab et du chaos absolu, est à plusieurs centaines de kilomètres. Le kidnapping est un levier idéal pour déstabiliser un pays. Donc le gouvernement prend toutes les précautions. Sur la route, pas moins de 7 barrages militaires. Le pays est effectivement sur ses gardes. Mais avec mon escorte Ismaël, je passe sans difficulté.
j'ai rendez-vous avec le ministre de l'Information dans la capitale d'Hargeisa. Ensuite, je poursuis ma route pour rejoindre Berbera, le port du Somaliland, qui donne sur le golfe d'Aden. Hargeisa. Sous la chaleur de midi, la ville semble encore brûlée de l'attaque qu'elle a vécue en 1988. Cette ville concentre en elle toute la folie et les destructions qui ont secoué la Corne d'Afrique ces 30 dernières années. À la fin des années 80, le dictateur Siad Barre, qui gouverne l'ensemble de la Somalie, est en position de faiblesse. Il doit faire face à un mouvement indépendantiste, armé et financé par les élites de Hargeisa. Le Somaliland ne veut plus vivre aux côtés de ses frères du Sud. Il veut son indépendance. Mais un dictateur ne supporte pas la contradiction. Le 18 mai 1988, il ordonne à son aviation de raser la ville. 50 000 civils sont massacrés, 500 000 fuient vers l'Éthiopie. Depuis 20 ans, la Somalie du Sud a sombré dans le chaos. Le Somaliland, lui, fortifie patiemment son autonomie et sa démocratie. Mais il reste tout de même un problème majeur. La communauté internationale refuse de reconnaître ce nouvel État. Tout le monde sait que la communauté internationale et que chaque pays suivent leurs intérêts personnels. Il y a aussi ce qu'on appelle la géopolitique. Et donc, on peut dire qu'en Afrique, il y a toujours eu plusieurs situations de conflit dues aux frontières. Et que l'Union des États africains a toujours eu des difficultés à résoudre ce genre de problème. Plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi ils refusent de nous reconnaître, je préfère leur demander de regarder ce que nous avons accompli. Ils doivent analyser la légalité de notre cas. Ils doivent regarder la réalité du terrain et reconnaître notre stabilité et notre indépendance. Et la démocratie que nous avons réussi à construire, et les élections que nous avons menées, ce qui a été rarement atteint en Afrique. Et même certains pays reconnus ne peuvent pas réaliser ce que nous avons fait. Ils doivent prendre en considération tous ces facteurs, et nous leur demandons de revoir leur position et de nous reconnaître. Nous devons faire face à de nombreux problèmes d'ordre économique et social. Le chômage des jeunes atteint près de 65%. Et nous ne pouvons leur offrir du travail quand ils sortent diplômés. J'imagine que cela doit être dur d'avoir 20 ans au Somaliland. Je me rends à l'université pour assister à un cours d'économie en anglais. Ils sont plus de 5000 filles et garçons à s'accrocher à leur banc de classe, le visage concentré, confiant en leur avenir. Ici, il y a plein de bonnes choses pour moi. Et je n'ai pas prévu de quitter mon pays. Je veux obtenir mon diplôme. Et quand j'aurai mon master, je voudrais aller étudier dans un pays voisin, comme l'Ouganda, l'Éthiopie, le Kenya ou même la Malaisie. Mais après, j'aimerais revenir rapidement. Je ne veux pas vivre autre part. Et je veux faire quelque chose de bien pour mon pays. Je n'ai pas envie d'aller en Europe. Je sais que l'économie européenne a été gravement frappée, comme le nord de l'Amérique. Et leur situation économique ne font qu'empirer. Donc non, vraiment, je préfère rester ici. Inch'Allah. Je préfère rester ici. Rester pour construire est pour moi un véritable acte de courage. Je me demande combien de temps cette belle volonté peut perdurer. Et si les Somalilanders, à force de voir cette communauté internationale jouer la politique de l'autruche, ne finiront pas par perdre confiance. Mais pour l'instant, l'espoir perdure, les affaires continuent. Conséquence directe de ce délaissement diplomatique, le shilling du Somaliland ne vaut rien.
La banque centrale tente désespérément de stabiliser son cours. Mais face à l'implacable loi du marché, le shilling s'effondre. Si tu veux changer 100 dollars, tu reçois ce paquet de 50 000 shillings. Ouais, ce gros paquet. Comme tu peux t'en rendre compte, notre monnaie n'est pas très forte sur le cours de la bourse internationale. Mais en tout cas, la paix et la sécurité qui règnent dans le pays nous permettent d'étaler notre argent devant nous en toute confiance, sans craindre une attaque. Les monnaies internationales sont précieusement gardées. Mais les monticules de shillings sont laissés en toute confiance dans de petits coffres sur le marché. Finalement, il n'y a qu'un danger qui menace les courtiers, la tendinite du pouce. Au revoir donc, car j'espère bien revenir un jour et voir si la petite capitale a réussi à convaincre les grandes instances internationales de la laisser accéder à la cour des grands. Je franchis l'entrée du seul musée du pays. Il est à ciel ouvert. Ce sont les grottes de Lasgill. Le site a été redécouvert en 2002 par des archéologues français. Lasgill signifie « le puits des chameaux ». Il était un refuge pour les pasteurs. Plus de 5000 ans me séparent de ces hommes, accroupis, le bras tendu pour dessiner leur bien le plus précieux. Des vaches ornementées de parures, le pis gonflé du lait de la prospérité. Les peintures, préservées par des conditions climatiques favorables, ont conservé leur éclat des premiers jours. J'ai même l'impression de sentir l'odeur des pigments néolithiques. Sur le chemin, mon escorte Ismaël tient à me montrer une autre relique de l'histoire. Le sable chaud n'a pas encore englouti le passé douloureux de la lutte fratricide entre Mogadiscio et le Somaliland. Je sais qu'Ismaël a participé à ces combats et qu'il jouit d'ailleurs d'une certaine renommée pour ses faits d'armes. Je me suis fait connaître au cours des combats que j'ai menés au sein de l'unité 99, qui se battait souvent près des côtes. J'ai aussi participé aux combats qui se déroulaient dans cette région. Mais ma renommée, je l'ai acquise en infiltrant les troupes des forces gouvernementales de Mogadiscio. Je faisais du renseignement. Et que pense-t-il des milices islamiques Chebab qui font régner la terreur dans le reste de la Somalie? Les Chebab sont une plaie, ils ont tort. Il faut les éliminer, sinon ils risquent de se propager dans toute la Corne d'Afrique. Pas de reconnaissance internationale et des fous de Dieu qui souhaitent leur naufrage. Le Somaliland n'est vraiment pas aidé. Et pourtant, sur le visage d'Ismaël, je perçois une certaine quiétude qui me rassure pour leur avenir. L'adage dit qu'au bout d'une route, il y a toujours de l'espoir. Et pour le Somaliland, c'est le port de Berbera, tourné vers le golfe stratégique d'Aden. Je peux rester des heures à contempler l'activité d'un port. Voyage immobile, où l'imagination se laisse embarquer vers des horizons sans fin. Berbera résonne aussi d'une autre histoire, celle de la guerre froide. Le premier tronçon des docks est construit par les Soviétiques en 1968. Les Américains viennent compléter la jetée en 1984. Mais cette fois, le grand vainqueur est du côté russe. Les responsables du port sont catégoriques. L'ouvrage soviétique résiste bien mieux au temps. On dit que le sous-sol du Somaliland réserve des surprises. Malheureusement, sans aide extérieure, le pétrole et le gaz ne jailliront pas de sitôt. En attendant, le pays ne dispose que d'une seule ressource pour survivre.
La principale exportation du Somaliland, c'est le bétail. C'est capital pour l'économie du pays. Dans l'année, nous exportons 2,5 millions de moutons et de chèvres et plus de 100 000 vaches. Nous exportons aussi plus de 80 000 chameaux chaque année. C'est capital pour nous. Les chameaux sont exportés vers l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Les chèvres et les moutons, nous les expédions vers l'Arabie Saoudite et le Yémen. Les bovins, c'est vers les Émirats et le Yémen. Mais le port n'exporte pas que des grappes de rump steak vers la péninsule arabique. Plus loin, je constate que le Somaliland n'est pas revanchard à l'égard de ses frères du Sud. Le gouvernement permet aux grandes institutions d'aide internationale d'utiliser ses docks. Ce soir, on charge du maïs, donné par l'Espagne. Destination Mogadiscio. Le lendemain, je découvre enfin la ville, déjà écrasée par la chaleur. À 7 heures du matin, il fait plus de 37 degrés. L'avenir du pays dépend de ce port, qui donne sur l'un des détroits les plus stratégiques de la planète. L'Éthiopie, avec la guerre contre l'Érythrée, a perdu tout accès à la mer. Pour remédier à cette situation, elle mise sur Berbera. Les deux pays ont signé un accord commun pour faciliter le trafic. Un corridor commercial a été mis en place. Ahmed, le directeur, l'a bien compris. Il faut profiter de cette nécessité. Son rêve est de détrôner le port de Djibouti. Il y a plusieurs pays qui nous ont contactés. Une fois, une compagnie de Malaisie est restée faire une étude, ainsi qu'une entreprise chinoise. Mais les deux derniers à être venus sont Bolloré, la compagnie française, et le Cheikh Ahmed, du Koweït. Ils sont les investisseurs potentiels pour développer cet endroit dans le futur. Les dés de la compétition sont jetés, et Berbera attend avec impatience qu'il révèle le vainqueur. Ici s'achève mon voyage, sur les grèves du golfe d'Aden. L'esprit encore bourdonnant des échos de cette corne d'Afrique marquée par les tourbillons de l'histoire. Mais j'ai pu aussi mesurer à quel point elle fait preuve d'appétit et de vitalité pour pénétrer dans l'arène du 21e siècle. La belle Afrique assoupie sur le flanc de la mer semble à présent décidée à se réveiller pour participer au festin des grandes nations. Ça va ? Ça va, super bien. Très bien, merci. Donc c'est là qu'on va voir le cinéma indien. Bon, et toi, Prakadish, tu es réalisateur alors ? Oui, j'ai réalisé un film qui s'appelle L'Université. Après ça, j'ai réalisé aussi un téléfilm. Et maintenant, je prépare mon troisième long métrage. Thank you.
C'est étonnant parce qu'on est passé d'un début de film qui est un thriller, et maintenant on dirait que c'est une comédie, quoi. Tous les genres se mélangent. Il y a une toile de fond comique, une romantique, il y a au moins 3 scènes d'action et 5 chansons. C'est ce que vous appelez le masala. Oui, c'est ça, masala, c'est-à-dire le mélange. On sent que c'est important le cinéma ici, on sent qu'ils prennent du plaisir les gens à assister aux projections et tout ça. À Bollywood, à Bombay, yeah. Les films sont en hindi, yeah. Et ici c'est en tamoul. En Inde, nous avons plein de cultures et de gens différents. Nous avons de nombreuses langues. Grâce à ce large public, nous sommes les premiers producteurs de films au monde. Chaque année, environ 200 films sont produits ici. Pour la seule ville de Chennai. Yeah, in Chennai. Sur les taxis, ça. Yeah. Ça fait très... Vas-y, yeah, champagne. Okay, thank you. Très taxi anglais, hein. Okay. Les Anglais ont laissé ça avant de partir. Qu'est-ce que tu racontes dans tes films ? On a une vraie responsabilité, on ne peut pas raconter n'importe quoi, car on parle directement aux gens à travers l'écran. Chaque mot dans le cinéma tamoul est important, surtout quand il sort de la bouche d'un héros. Le public les admire tellement qu'ils se laissent influencer. C'est pour ça que j'aime motiver les gens, en leur montrant des choses positives. Ça leur donnera confiance en eux pour faire tout ce qu'ils veulent. Ça y est, on arrive dans les studios. Ça, c'est une fausse rue, hein. C'est ça, c'est une rue reconstituée. Oui, c'est un studio. Un film comme celui qu'on vient de voir, par exemple, il va être vu par combien de personnes ? À peu près 30 millions de personnes vont aller voir ce film. 30 millions, t'es sûr ? 30 millions, c'est énorme. C'est une star qui vient d'apparaître. Oui, c'est une star. Il est très populaire ici. Il a commencé sa carrière avec des rôles de méchants. Et puis, il a évolué jusqu'à accéder au statut de héros. Alors, ici, on ne dit pas un comédien, on dit un hero. On dit un héros. Hero. Je vous présente un ami français. Thank you. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'engouement des Indiens pour le cinéma ? Nous sommes dans un pays pauvre. Les gens ici s'identifient avec le héros sur l'écran. Alors, ils se sentent très proches des héros, à tel point que dans le pays tamoul, la politique et le cinéma se mélangent. La majorité des leaders et responsables politiques viennent du cinéma. Est-ce que justement les hommes politiques utilisent le cinéma pour faire passer leurs idées ici ? Oui, ils s'en servent pour faire passer leur message. Thank you very much. Bon tournage. Thank you. Tu ne pourrais pas aborder nos comédiens, nos stars à nous comme ça, il faudrait passer par les agents, les trucs. Là, les gens sont simples, sont abordables. Ces types de héros sont très positifs. Et ils se comportent dans la vraie vie comme leurs personnages de héros à l'écran. Ils sont disponibles pour leur public et pour leur pays. Ah,
Merci à toi, Bragadish. Okay. Et fais le beau film, hein. Thank you. Bye. Salut. Bye. Bonjour, Malar. How are you? Great. Let's go. Le trafic est hallucinant ici, il faut vraiment faire attention. Il faut bien regarder dans les rétroviseurs. Moi, je ne fais jamais la course. 50 000 autorickshaws sillonnent chaque jour les rues de Chennai. Comme partout en Inde, on ne trouve que des hommes au volant de ces petits véhicules jaunes. Mais depuis peu, quelques femmes ont réussi à s'immiscer dans ce monopole masculin et à revêtir la traditionnelle chemise marron des chauffeurs. Fatima est l'une d'entre elles. Il y a beaucoup de chauffeurs qui pensent que l'on vient leur prendre leur travail. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de courses. Mais bon, il y en a quand même certains qui nous aident. J'aime beaucoup faire ce métier et je suis très fière de pouvoir y arriver. C'est vrai que de voir les femmes qui conduisent des rickshaws, c'est quelque chose d'étonnant. Mais pour moi, je suis très contente de voir quelque chose comme ça parce que ça indique que les femmes indiennes deviennent plus indépendantes, plus autonomes et plus sûres d'elles surtout. Comme les autres conductrices d'autorickshaw, Fatima a été formée par l'association Speed Trust. Installée dans le plus grand bidonville de Chennai, l'association s'est donnée pour mission de briser la barrière de la pauvreté. Dans cet endroit, il y a beaucoup de femmes et d'enfants abandonnés. Aussi, c'est important pour Speed Trust d'aider ces femmes à accéder à une nouvelle vie. Nous aidons ces gens par la formation, mais aussi financièrement. L'objectif principal de notre organisation reste que ces personnes arrivent ensuite à subvenir elles-mêmes à leurs besoins, à devenir autonomes. Destinées à être des mères et des épouses, les femmes indiennes perdent tout statut social lorsqu'elles deviennent veuves. Pour aider ces femmes à suivre les programmes de formation, l'association Speed Trust a mis en place une crèche-école pour s'occuper de leurs enfants. Ça, c'est l'accélérateur, là. Le frein au pied. D'abord, tu vérifies que la vitesse est au point mort avant de démarrer. Au tout début de la formation, on consacre une journée entière au démarrage. Et puis, je les emmène pas loin d'ici pour s'entraîner et faire quelques tours en première ou en seconde vitesse. Ralentis un peu, là, tu vas trop vite. Passe la deuxième. Passe la deuxième. Eh mais regarde, là, l'autre, il fait n'importe quoi. Oui, mais là, tu es en apprentissage, alors tu apprends et tu ne fais pas comme lui. Depuis que mon mari est mort, j'ai retrouvé une famille avec cette association. Elle représente tout pour moi. Speed Trust va les aider ensuite à obtenir leur permis de conduire pour les rickshaws en ville. Une fois qu'elles ont ce permis, on va aussi leur financer un autorickshaw tout neuf, qui ne sera pas au nom de notre organisation, mais à leur nom propre.
Cela pour rendre ces femmes responsables comme de vraies auto-entrepreneurs. En tout, j'ai 150 000 roupies à rembourser, 2500 euros. Ça va prendre à peu près 4 ans. Et je rembourse 3 000 roupies par mois, 50 euros. Et après, l'autorickshaw sera à moi. Quand je vois ces conductrices d'autorickshaw rire comme ça lorsqu'elles deviennent propriétaires, je suis vraiment fier. Je suis réellement très heureux. Acrobates ici, hein. Salomé, hein, c'est incroyable. Coucou. Merci, madame. À bientôt, prends soin de toi. Salut. Ça va, Malini? Ça va, et toi? Super bien. Ouais. Super bien, je suis très content d'être là. Moi aussi. J'avais hâte de la voir, cette plage. Hein. Alors, on m'a dit que c'était la deuxième plus grande plage du monde. Oui, c'est vrai, ça fait 13 km en fait. 13 km? Oui. C'est surtout un endroit pour se retrouver en famille, surtout quand il y a des jours fériés qui sont ensemble. Alors, c'est un jour férié aujourd'hui, c'est férié pourquoi? C'est le jour où le pays est devenu une république en 1950. D'accord. Donc les gens ne viennent pas en maillot de bain ici, hein. Les gens viennent se poser, s'asseoir. C'est un peu le parc de Chennai. Voilà. Ce serait de la pousse, ce serait pareil. Ouais. Pourquoi les gens ne se baignent pas? C'est pas dans la culture qu'on se baigne dans le public, on peut dire. Sur l'air. Allez, hop. Waouh! Ah non, elle est bonne! Ah! Elle est bonne, tu la trouves froide! Un petit peu quand même! Ouais. Ah, bah Et Malini, toi tu vis à Chennai alors? Oui, ouais. Moi je vis à Chennai. Et tu vis ici depuis combien de temps? Ça fait à peu près 7 mois. 7 mois? Ouais. Et tu étais où avant alors? Moi j'étais en France avant, j'ai fait un master en raffinage du pétrole. Et tu es revenu pour travailler? Je suis revenue surtout parce que je me suis mariée l'année dernière. Ah, d'accord. Ouais. Et donc mon mari il travaille ici. Travaille donc. Ici sur Chennai, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ton voyage? Là, je crois que je vais partir d'Inde avec une envie de revenir vite, tu vois, presque triste, parce que j'ai été vraiment touché, vraiment sincèrement par le pays, par les gens. Un pays où il y a beaucoup de pauvreté, et pour autant, les gens sont extrêmement dignes et extrêmement souriants où qu'ils soient. Et puis, j'espère que la condition de la femme change et évolue. Ouais, j'espère ça aussi. Hein, je le souhaite, ouais. Vraiment. Quant à nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles échappées belles. Et je vais garder, je l'ai dans ma valise, mon petit ganache porte-bonheur pour que mes voyages soient toujours aussi beaux et aussi réussis. À très vite.